De la PD. Bonjour. Bonjour. T'as lancé, non? Ouais, ça va aller vite. Vas-y, je t'attends. Putain, quelle chaleur! Tout à fait. C'est une pédale la chaleur. Salope. Oui, je suis arrêté à sortir, il n'y avait personne. Pas sérieux. Il y avait des gens, mais il n'y en avait qu'un ou deux. Je veux tuer des gens. Qu'est-ce qu'il faisait hier le monsieur pour pas jouer? Oh. Mais J'étais. J'étais occupé. les trucs chiants ou pas chiants? Non, pas chiant. Ça va alors. Ouais. Avec des madames. Hein? Avec des madames. Non, 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 non. Avec des potes de l'école. Je sais pas, j'aurais peut-être pas dû y aller en fin de compte. Parce que j'ai fait l'aller-retour en une journée et ça va me coûter des ronces si ça. Si t'as Un mec pareil. qui m'envoie des sticky là. Des. Hey, trou du cul, t'as cru t'as les GTM en moi, tu es trop fort hein? PD. Enfin bref. Reprenons la conversation. Ça fait quoi hier? Que j'ai fait hier? Ouais, j'ai rien fait. Faut que tu me trouves des mots de motivation pour faire mon rapport de stage. Est-ce que tu en as? Des quoi des? Des mots de motivation pour faire mon rapport de stage. C'est-à-dire quoi des mots de motivation? Ah, pour me motiver. Est-ce que tu. Est-ce que Ah tu ouais, en faut que je te motive. as? Eh ben alors ça va être très simple. Tu fais de la merde et il te donne quand même le diplôme. C'est ce que j'ai fait. Tu ponds un truc de merde et il te donne le diplôme. Non, mais je Aussi sais que pas, je franchement, fais. compte pas sur moi pour te motiver parce que moi, ça m'a pour. Non mais je t'inquiète, je sais. Moi, j'étais pas motivé du tout, c'est ouf. Encore toi, ça va parce que tu finissais ton stage, tu devais le rendre juste après. Moi, j'ai, tu vois, j'ai le temps. Vrai que moi j'étais un peu pressé par le temps, c'est ça aussi qui a fait que j'étais pas motivé pour faire un truc bien. Après, toi, t'as un peu plus de temps. Mais il est sérieux lui? Eh! Hey. Oh non mais là! Mec il me met une balle de pompe, il m'enlève toute ma vie! T'as cru ici c'était quoi? Moi je te tue quand même, PD ouais. Oh Bon. merde. C'est le mec où il était le gars? Il était derrière un petit banc. Entre des bancs et des. Je sais pas comment on dit en français, des fences. Des. Je sais pas comment ça se Des dit en barrières, français. des barricades. Voilà des barrières. Voilà, il était entre des barricades et un siège. Il était derrière, il C'est même pas m'attendait, des regardez. barricades, c'est des palissades. Polisade. Ouais, du coup moi j'ai plus de vie. Et puis c'est bien. Avec des petites popos, mais j'ai pas de bandage. Ça, c'est problématique. Hier, j'ai fait un top 1 solo à 10 kills. Et c'était beau 10 kills, hein. Oh, c'était beau. T'as fait combien de kills? 10. Là pour le moment t'en as fait 10? Non, hier. Là, j'en suis à 2 là. Ah ouais. Mais il était beau le 10 kills. Ah c'est bien Alice. Parce que tu vois, j'étais genre à côté de TikTok, c'était la dernière zone. Mon gars, je construisais poche, j'étais debout en train de sauter comme un con. Je dis, allez, venez, mes bâtards. Un parage, je vous prends. Ah, c'est ce qui s'est passé. Un parage, je les ai pris. Le mec, il me tire au RPG, rien à foutre. Enfin, tu verras, ce sera en vidéo. Mais j'avais ma petite réserve de grosses popos cachées quelque part. Dès que je prenais des gars, j'allais les rechoper. Je revenais, j'étais à fond de vie. Allez, prochain, next. Et puis, c'était comme ça à chaque fois. Oh, c'était bien.
Bon là je vais peut-être mourir, hein. J'ai pas de vie. Toi tu veux je meurs de toute façon. On va voir quand même s'il n'y a pas des bandages dans les baraques. Combien un mec il laisse des bandages. Ah bah tiens, j'ai bien fait. Des bandages. On va faire prolonger le suspense. T'as pas regardé les billes. Non, moi j'ai vu les résultats, je suis dégoûté. Je suis content voilà, pour ça les va Boston. Partir, c'est que ça va être les Cavs qui vont être en finale et puis ils vont se faire arriver le cul. C'est inhumain ce qu'il fait LeBron, faut qu'il arrête ses conneries mec. Bah ouais mais c'est bien, enfin quelque part c'est... Je serais les Raptors mon gauche, tellement deg. Tellement. J'ai vu le match 2, le mec il rentrait des fadeaways en tirant en cloche, en arc-en-ciel, tout ce que tu veux. Ça rentrait. Ouais il a rentré des trucs incroyables. Mais non mais c'est pas bien en fait pour l'Est parce que... Ils vont encore se faire, ils vont se faire laver contre les Warriors. Déjà avec Kyrie ils sont fait laver. Et là... Ce sera pas la meilleure équipe de l'Est qui va se qualifier en fait. Parce qu'ils ont de la chatte. Enfin, pas meilleure équipe de l'Est. Ouais, les Cavs, c'est pas la meilleure équipe de l'Est. Hein. Non, 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 mais. C'est pas des Mongoliens quand même. Voilà. Ouais. Puis les Celtics, je suis content. Franchement, les Sixers sont pas si ouf que ça au final. Quand tu vois comment ils jouent, j'avais pas vu beaucoup de matchs des Sixers, mais quand tu vois comment ils jouent, c'est pathétique. Bah c'est surtout que... Ils jouent bien les Celtics. Ouais. Avec Skyrie Terry. Terry Skyrie Rozier. C'est son surnom. Skyrie Terry. Ah oui, Skyrie Terry. Il s'appelle Skyrie Terry. Avec... Avec Ah mais je regarde... Moi je te dis, je regarde le show, là, NBA The Starters. Franchement, c'est stylé, t'as vraiment le truc. Et son histoire avec Bledsoe, elle est folle, hein. Elle est complètement folle, t'as suivi ou pas? Bah ouais, j'ai regardé, ouais, ouais. Puis après, il se ramène avec le maillot de Bledsoe, mais de l'équipe de ouais, NFL. Ouais, Drew Bledsoe. Et après, Drew Bledsoe, il a fait encore un truc derrière, je crois. Enfin, il s'est passé trop de trucs dans cette histoire. Ah, le Bledsoe, c'est un... Franchement, il a fait le gros culé, genre. Terry Rozier, où? 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 Who that? Terry. Puis après, des fans des Celtics qui chantent Who is Bledsoe? Bon, bah, je suis encerclé par 10 mecs, c'est exceptionnel. C'est dommage, ils ont mis des skins dégueulasses dans le pass. Genre Zoé, plus du cul ça. Mon gauche est en train de tuer tout le monde, c'est même plus drôle. Je suis devenu trop fort à Fortnite, j'ai joué un peu plus que d'habitude ces derniers temps. Ah bah on voit les effets. Hein. Oh je loupe plus un autopompe. C'est terrible. Tu t'arrives moi aux pompes ils sont je me fais je perds souvent quand même. Les gars ils sont chauds aux pompes. Mais allez le mec arrête de construire comme un bœuf fils de chacal. Bon. Les mecs qui font ça c'est vraiment des mongols. Regarde tu te casses la gueule comment t'es nul. Il sait même plus où je suis, ce con. Le mec, il a construit. Et les mecs qui construisent comme ça, c'est vraiment des bâtards. Bien, devrait. Comme j'ai dit hier à Thomas, je jouais avec Thomas. Devrait avoir un cooldown. Quand tu construis. Les mecs, ils peuvent construire n'importe comment, ça passe à chaque fois. Putain, ils sont pas là, con. Les deux Africains. Tout à l'heure, il était là, mais. C'est quoi lui, sa vie, je vais le laisser là. Ah c'est de ton frère. Et il était là il y a 3 heures. Et Thomas il était là il y a 1 heure. Il a pris une tête. Mais mon gars mais arrête de faire ça, ça sert à rien ce que tu fais Cassos. Franchement les gens qui... Puis moi je me fais tirer de l'autre côté maintenant. Oh casse les couilles, je me barre. Franchement les gens qui jouent comme ça, le mec dès qu'il te voit il construit en l'air puis il se barricade là-dedans. Et puis il bouge plus. C'est
c'est trop chiant parce qu'après tu peux rien faire. Si t'as pas de roquette, bah non, tu bah moi je l'ai en plus, j'ai enlevé plein de dégâts, mais je peux pas le finir. Le mec il est campé là-haut, puis je me fais tirer dessus par des autres gens. Donc je me casse. Débrouille-toi, fils de pute. T'es pas mort encore là? Non. Putain, je croyais que t'étais mort. Non. Je meurs pas, moi. De toute façon, il va devoir bouger, il est pas dans la zone. Mais putain, mais construis-moi un mur. Putain, je me suis bloqué comme une merde. Regarde-moi le, j'ai remis un camp des bols, il s'est rebarré, puis allez hop, et on construit. Chacal. Devrait y avoir un cooldown, comme je te dis après. Tu construis trop de construction d'un coup, tu peux pas construire pendant 4-5 secondes là. Regarde-le, il regarde là. Regarde, t'as plus de vie, tu sais pas chou avec ton sniper. PD. Oh. Puis je me fais tirer dessus par des autres gens encore. Allez hop, t'es mort. Petite tête. Des familles. Casse les couilles les gens comme ça. Sa mère elle suce des bananes, j'en suis sûr. Qu'est-ce que t'en penses? J'en ai rien à foutre. Bon, c'est quand que tu meurs la PD? Bon, toi il reste 9 mecs. Je sais pas si je vais faire du coup mon défi solo là. Fallait que je fasse 150 de dégâts ou je sais pas quoi là. Je sais pas comment ça marche leur truc à chaque fois. Survivre à 150, survivre à des joueurs. Moi j'ai la graffeuse. C'est quoi en 23. Français? Parce qu'en anglais je comprends pas le truc en fait. C'est quoi le truc? C'est survivre aux adversaires en solo. Et en fait faut juste que tu prennes des dégâts je crois. C'est bizarre. Tu prennes des dégâts sans mourir, je comprends pas trop. Je pense que c'est ça. Faut que tu prennes des dégâts en fait. Faut que tu prennes des dégâts et que, que tu tues pas le mec. Ah mais bah, ok. Sinon, si tu vas à tilt et que tu prends que des têtes pompes, ça marchera pas, je crois. Le jeu te les comptera pas. Bon. Mais des fois, c'est l'un des plus simples à faire parce que t'as même pas besoin de focus l'objectif, ça tu le fais tout seul. Il y a deux mecs devant moi là. Scary Terry. Les mecs ils sont shootés par 10 000 mecs. Dead. En train de tirer sur quelqu'un là. Je suis vraiment un pro quand je joue maintenant. Moi. Tu verrais ce que je fais là, c'est exceptionnel. Non mais c'est pas la zone ça. Ici. Là, il y a une grosse popo en bas. Vite, 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 vite. Putain, je vais prendre des zones des dégâts de la zone, fais chier. Non, je vais pas prendre de dégâts de la zone. Je suis dans PGM.
Fais tirer dessus! Je sais pas de où. Si je sais de où. Putain, il reste encore 5 mecs et la zone elle est toute petite. Enfin, toute petite. Putain, là, tu me gênes avec en regardant des vidéos là. T'as pas honte? Ouais, il est énorme. Je regarde, il y a une mixtape de Doingles. Mais ce gars-là, il a trashé, hein. Il a grave trashé contre Okessi. Y'en a rien à foutre! Genre, il mettait ses 3 points et il a regardé les adversaires dans les yeux et tout. C'est un ouf, Doingles. Doingles, c'est une légende. Le fermier de la petite maison dans la prairie, comme ils disent. Le pire, c'est que son buzzer buteur, LeBron, tu peux pas le défendre en fait. Enfin, si, il le défend bien, mais le mec il peut rien faire quoi. Il peut pas faire mieux qu'il a fait en fait quoi. Bah non, mais prendre un shoot comme ça, tu peux pas mettre un bloc. Tu peux... Ouais, ouais, puis. Il est cheaté le shoot, genre. Bah oui, ouais. Il est cheaté. T'es en train de le regarder au ralenti là. Bon bah il reste un mec. Où es-tu, petit PD? Du coup l'autre il m'a chouré un kill là, l'autre PD avec son lance-grenade, culé. Où il est le dernier? Ah, il est là. Et voilà, j'ai gagné. C'est comme hier, première game, j'arrive solo, je pète tout le monde. C'est comme ça que ça se passe ici, j'en ai rien à foutre. Tu peux me soucer les boules, y a pas de problème. Voilà. Alors, non, mais y'a plus de respect ici. Bon, c'est con, j'avais pas la cam. Ça sera sur YouTube. Ou sur YouTube! Bah non, dis bonjour YouTube! Non, j'ai pas mis. Enfin, j'allais la mettre quand on allait jouer à deux, mais. De toute façon, pas besoin de la cam là. Rien à foutre. Le gameplay parle de lui-même. Non? Trouve pas? Ah, merde, putain. Et moi, je suis trop un ouf, moi. Je t'ai dit là. Quand tu joues un peu. Ça, c'est un jeu, c'est par expérience, tu vois. Plus tu joues. Plus tu deviens fou. Et là, les duels que j'ai gérés là. Exceptionnel. Allez, on enchaîne là. On enchaîne. Bon, hier, j'ai fait 4 top 1. 3 avec Thomas. Je sais pas si ça va marcher comme toi avec. Pareil avec toi. 3 avec Thomas. Oui. Allez, je te dis, nous, on est des fous, nous. Ce Thomas, c'est pas un foudre important. Ça sera en vidéo. Ça sera en retenue. Tu es dans la merde! Thomas, t'as vu ce qu'il dit de toi? Putain!